Salut à tous, sur cette 8, on se fout l'épisode 5 de Vampire Survivors 3, 4 pardon, donc on va se retrouver, on se retrouve encore à la bastade, donc cette fois pour le combat final. Encore Luffy contre Kodai, donc le combat final. ナイフも刺さるでしょ。避けた。どこへ。全てを許そうニコロビ。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。 Boss qu'on l'a vu la première fois avec Crocodile, avec Luffy, mais c'est le combat, voilà, en gros dans l'animé où Luffy perdait contre Crocodile. Un combo, ça m'arrange. Ça, c'est mieux. Ça aussi, ça pourra être mieux. Bon. Voilà, donc quand c'est au maximum, il y a une petite couronne dessus, et puis... le meilleur. Je vais faire que ce combat-là, parce que voilà, je prends des blocs du nouvel arc, je voudrais commencer l'arc dans cet épisode. La carte numéro 3, mais je préfère mieux attendre quand même, parce que ça coûte cher ici. Je sais pas si collection de pièces est efficace, ça prend une voleuse, pourquoi pas. Collection de pièces, on va quand même le mettre. Force de héros, de héros du moins. Je suis capitaine aussi, pourquoi pas. Illustration et on va mettre. Voilà. On verra plus tard. Quel décor. Voilà. Oh, quand les combats aériens, c'est pas bien passé dans l'Empire Pyro 2. On explorait des... un endroit quoi. Qu'est-ce que ça s'appelle? お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は人には死ぬなって言うくせに。自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその役目者を見捨てちまえばいいと俺は。死なせたくねえか。仲間だろうが。 どうは俺を打ちのめしたいらしい。お前を目障りな敵と認める。ああ、いい。グランドセット。グランドです。ロケット、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 
Enfin, il l'a, mais il l'a pas sur lui, quoi, je veux dire. Voilà, on finit comme dans l'animé. Bah, le fils, elle a joué au foot quand il était jeune parce que le coup de pied, il a fait un sacré shoot. Je me rappelle ici, c'est dans le 1, c'est là où il y a le score qui s'affichait, le score du rang. Le score, voilà, pour avoir le rang S. Voilà, donc, il est vaincu. Après, c'est Crocodile. Ah, bon, on est bloqué Crocodile. Bah, du coup, pourquoi pas faire une petite mission, voilà. Avec Crocodile. Ah. アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により集結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がした。男の道をそれるとも、comme des petits passages, voilà, je vais vraiment penser au manga ou à l'anime. 踏み外せぬは人の道、散らばもろとも。Je trouve ça c'est génial qu'ils ont gardé quand même, même si on me disait, il y a pas mal de scènes en cinématique. Ils ont quand même gardé des fenêtres quand même. Bon-chan! Ore-tachi! Omeera no koto! Zettai wasurete kara da! 一方 Bibi は一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてこの国を愛してるから、だから
いけません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。N'oubliez qu'Aou, par tout compte, dans le canard de Vivi, son animal de compagnie quand même. これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。出航。De bloquer une nouvelle arc à faire, enfin une arc en deux, en trois, enfin une arc en deux, parce que voilà, notre Water 7 plus comment dire, plus Ines Lobby, plus retour Water 7. Voilà, donc voilà, Ines Lobby. Voilà, voilà, là, c'est la fameuse mission où il faut jouer Usopp. Usopp, je l'aime bien, mais niveau puissance, il est vraiment. Ah, ça a changé. Ah bah oui, dans les chapitres ça change, on va faire même trésor. Tu vas faire ça, on va faire une petite mission quand même. On va faire un petit bail quand même. Carte quand même. Ah, je suis gêné de Jin quand même. Les attaquants sont... On va aussi améliorer l'attaque parce que sinon on va être une grosse merde au niveau des attaques normales. Oui s'il te plaît. Défense aussi parce que le niveau de défense n'a rien à voir. Tout ça, tout ce truc là, je vais laisser hors caméra bien sûr. Allez, plus vite quand même parce qu'on n'a pas que ça fout. C'est long quand même. Oh là là, il est tout bien dans la première trilogie. Oh là là.
crois. Ah oui, un truc qu'on peut c'est pas mal. Jusqu'à où on peut voler, sérieux. Ah, il y a toujours Pedro Stretos. Ça, c'est pas mal. Ah, je vois ce qu'il va avoir. Ça ressent quand même, KO. C'est rapidement. Ouh, ouh, c'est... Oh non, il y a encore quelques couilles. Par contre, c'est bien. Évidemment, affronter tout le temps les mêmes ennemis, c'est bien répétitif. Et donc, vous allez faire la première team, vous allez taper peut-être la couille, on a la FPL. Puis, en mission après, vous allez vous le retaper encore. C'est un peu n'importe quoi, quand même. Enfin, on a fait vraiment vite. Ça devrait être comptable de perdre le voie planée. Ah bah évidemment, il vient. Ah si, je peux t'empoisonner, mon gars. Ah, que je sais que Pedro Stretos, vous avez un personnage vraiment pas très puissant, ça devient très très chaud. C'est abusé, sérieux. Ah,
Sérieux. Oh mon dieu, putain. Excusez-moi pour les gros noms, mais franchement. Hormis un style de combat, franchement, je trouve que c'est hyper excellent. Oh, stylé, stylé. Après les types aériens, c'est hyper évident d'attaquer au sol après. Tellement mal ça. Voilà. Donc, vous voyez, une catégorie est assez grande quand même. Donc, là, on a fait une contrôle qui parle de la vie, un truc comme ça. Moi, j'ai encore mis pour les scans. C'est parti, tornade. Voilà qui tient tête quand même à catégorie. C'est un des 4 empereurs. Oh putain, c'est stylé ce qu'il a fait là. Et par contre, je vais bien voir où je suis. Là, par contre, la caméra. C'est toujours aussi merdique. ありがとうございます。 海賊と海軍が仲良くなんてできませんか。そんな。でも釣れないところもうるわしい。一緒には食べられなかったけど、仕方ね。手伝ってくれて助かったぜ。 Les dégâts de la vie, c'est pas un peu de quoi. Victoire. Ah oui, il perd. Il enlève aussi le bout de son crochet. Yes. Les niveaux. Ah, niveau maximum. Carte numéro 2 pour Kodai déjà. C'est excellent quand même. Voilà.
Allez, écoute, je vais vous faire juste vite fait montrer. Ça enregistre toujours, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on peut débloquer Chante et Barbe Noire. Du coup, il faut finir tout le mode trésor des grandes lines. Donc, la clé, c'est pour débloquer d'autres missions. Et on vous verrez des logos de épées blancs croisés. Donc là, c'est une mission assez dure, assez compliquée. Donc voilà, il faut quand même un personnage assez puissant qui fait pas mal de dégâts, voilà. Du coup, voilà. Du coup, moi, je vais m'arrêter là pour l'épisode 5 de One Piece Battle Versus 4. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo si vous avez apprécié. Sur ça, bye.